ticket pasteur docteur WR.com. Bonsoir, pasteur. Gloire à Dieu. Ce soir, de grandes choses vont se produire dans ta vie. Il y a une boutique d'où je viens, ils disent, entre, prends et pars. Et ce soir, entre. J'ai dit entre. Les miracles sont emballés. Le salut, la guérison, la délivrance. Viens prendre pour toi. Père, au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous aimes. Tu aimes tout le monde. Et tu vas bénir chacun. La puissance qui ne faillit jamais agira puissamment aujourd'hui dans chaque vie au nom de Jésus. Salut pour tout le monde. Guérison pour tout le monde. Délivrance pour tout le monde. Des grands paquets de prodiges et miracles pour tout le monde, afin que chacun ait sa part. Chacun partira avec pour lui. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Nous parlons de la puissance infaillible. Nous avons parlé de la foi. Qui ne faillit jamais la grâce, qui ne faillit jamais la miséricorde, qui ne faillit jamais le nom, qui ne faillit jamais. Ce soir, c'est la parole qui ne faillit jamais, la parole venant du ciel, la parole dans nos cœurs, la parole qui affecte notre corps, la parole qui affecte tous les domaines de nos vies. Partout elle va, il y a la parole qui ne faillit jamais. Ce soir, je vous parle du message intitulé « La parole puissante aux prodiges toujours multiples ». Prodige, la parole puissante irrésistible, la parole envoyée du ciel qui vient dans ta vie. Et cette parole, la parole de Dieu, ne faillit jamais. Elle accomplira ce que Dieu l'a envoyé faire dans ta vie. Et ce soir, c'est ta soirée. La parole va entrer dans ton cœur, par tes oreilles, et ensuite, de ton cœur là-bas, toutes les parties de ta vie, ton esprit, ton âme, ton corps, elle agira sans limite pour produire des produits dans ta vie au nom de Jésus. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes, chapitre 14, lisons à partir du verset 3. Il restait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole, de sa grâce, et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles, par leurs mains. La parole est centrale. La parole est puissante. La parole est essentielle. C'est pas la parole. Et quand elle entre que les miracles, le salut, les prodiges se produisent dans chaque vie. Amen. Voyons le verset 7. Verset 7. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Ils annoncèrent la bonne nouvelle. Et le verset 8 dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Il prononçait la parole. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Comment est-ce qu'il avait la foi pour être guéri ce jour-là? La foi qu'il n'avait pas. Le jour précédent,
la semaine précédente, le mois précédent et l'année précédente de sa vie. Toutes ces années, il n'avait pas écouté la parole. Mais le jour qu'il a écouté la parole, la foi vient par ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Il a écouté la parole qui ne peut faillir, la parole qui est illimitée, la parole qui produit des prodiges et des miracles et des guérisons. Il écouta la parole de Paul, qui fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Verset 10 dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Ça, c'est la parole. « Lève-toi droit sur tes pieds. » C'est ce que je vais dire aux paralytiques ce soir. « Lève-toi droit sur tes pieds et tu vas te lever. » C'est ce que je vais dire à l'homme aveugle. « Ouvre tes yeux et vois. » Et ses yeux aveugles vont s'ouvrir et tu verras. C'est ce que je vais dire à cette partie enflée sur ton corps ce soir. Je dirai enflement. Sors! Et ce corps, cette partie enflée va partir. Et lorsque l'apôtre a dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Cela lui est arrivé. Ça va t'arriver. La parole puissante aux prodiges toujours multiples. Il y a trois points à considérer. Premièrement, la parole puissante de Christ, notre Sauveur. Deuxième point, les puissantes œuvres du conquérant, notre guérisseur. Troisième point, les puissants prodiges du capitaine, notre libérateur. Premier point donc, la parole puissante de Christ, notre Sauveur. Il dit en Luc, chapitre 24, verset 19. Luc 24, 19. Quoi, leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Voyez la description de Christ ici. Christ est puissant, puissant en œuvre, œuvre, action, accomplissement, manifestation, démonstration, opération de la puissance de Dieu, puissant. Tout miracle qu'il accomplissait est puissant. Les œuvres sont puissantes. Et dans ta vie ce soir, de grandes œuvres, des miracles puissants, les manifestations puissantes. Et il dit, et puissant en parole devant Dieu, puissant en parole devant tout le peuple. Chaque défi qu'ils avaient, tout problème qu'ils avaient, lorsque Christ parlait, ils n'avaient pas besoin de toucher quelqu'un. Il n'avait pas besoin d'imposer la main à quelqu'un, simplement la parole. Parce que la parole est puissante. Dans ta vie ce soir, la parole que tu entends sera puissante. Puissance, ça veut dire quoi? Quelque chose ici qu'il nous faut porter. Et toi, tu essaies, tu n'arrives même pas à élever ça un peu. Moi, j'essaie. Pas ma force physique naturelle. Je n'arrive pas à soulever ça. Et ils veulent soulever cette grande chose. Ils veulent soulever ça et mettre ça au bon endroit pour bâtir le pont. Mais ce que l'homme ne peut pas faire, la machine est puissante et cette machine viendra sans aucun effort. Et l'homme qui est en train donc d'opérer, il pousse un peu. Il s'assoit seulement là-bas. Ce que toi tu ne peux pas porter, ce qu'on ne peut pas porter, ce qu'aucun homme ne peut porter. L'homme qui est assis dans la machine appuie un bouton et il n'exerce même aucune force. Et vous voyez, la grue descend seulement et soulève
Cette chose que personne, par la force naturelle, ne peut soulever. Et la machine va simplement soulever la chose par la grue et dépose ça là où il faut déposer ça. Ça, c'est comme ça la puissance de Dieu est. Ce que l'homme ne peut pas soulever, ce que la science ne peut pas soulever, ce que les ingénieurs ne peuvent pas soulever, ce que la sagesse de l'homme ne peut pas enlever. Ici, j'appuie le bouton du nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de suer, je n'ai pas besoin de crier, je n'ai pas besoin de faire quelque chose. Je dis, au nom de Jésus, le bouton est appuyé seulement. Ensuite, ce cancer dans ta vie, cette tuberculose dans ta vie, cette bosse-là, cette oppression dans ta vie là-bas, sera simplement élevée de ta vie. Ce soir, j'ai dit ce soir, cette puissante parole de Dieu que l'homme ne peut pas déplacer sera ôtée de ta vie et agira au nom de Jésus. Marc chapitre 2, verset 5. Marc 2, verset 5. Jésus voyant leur foi par ce qu'ils ont entendu, ce que Christ avait fait aux autres, ils ont dit, s'il a pu faire cela, il fera pour moi. S'il a pu le faire, il fera aussi pour toi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu es là ce soir. Peut-être que tu n'es pas là. Tu ne venais pas avant. Mais tu as entendu ce qu'il a fait le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et pour cela donc, il y a une attente positive dans ton cœur. Tu sais que ceux qui sont venus avant aujourd'hui, voyez ce qu'il a fait pour eux. Maintenant, tu as la foi et tu sais que le Seigneur le fera pour toi ce soir. Il va pardonner tes péchés. Il va changer ta vie. Il va purifier toutes les choses sales de ta vie. Et ta vie, à cause de la foi que tu as en lui, quand Jésus a vu leur foi, il dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Un mot, tes péchés sont pardonnés. Ta culpabilité est ôtée. La condamnation est ôtée. Pense à cela. Tout ce que tu as fait en 10 ans, 20 ans, 30 ans, plusieurs années, en un mot, cette culpabilité, cette condamnation, est ôté de ta vie. Et il dit, mon enfant, il a appelé mon enfant, il a appelé maintenant enfant de Dieu, maintenant tu deviendras une fille de Dieu, une fille dignifiée, tu seras appelé fils de Dieu, tes péchés sont pardonnés. Non seulement ça, il a eu le pardon, il n'a pas fui pour dire merci Jésus, il n'a pas pu fuir. Parce qu'on l'a porté. Quatre personnes l'ont amené. Vous voyez dans le verset 9. Verset 9. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, ça c'est Christ, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. A le pouvoir. Est-ce que tu as entendu ça? Pas seulement à Jérusalem, pas seulement à Nazareth, pas seulement à Capernaum, il a la puissance sur la terre. Il a la puissance à Yola. Il a la puissance partout dans l'état d'Adamawa. Il a la puissance partout au nord-ouest du Nigeria. Il a la puissance partout au Nigeria. La puissance de Christ n'est pas limitée à Jérusalem, à Nazareth ou à Capernaum. Regardez, parce qu'il a sur la terre le pouvoir, la puissance de pardonner les péchés partout où tu es. Comme tu invoques le nom du Seigneur ce soir, tes péchés seront pardonnés au nom de Jésus.
Je te l'ordonne, dit au paralytique, verset 11. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit. Rappelez-vous, on a porté cet homme là-bas. Rappelez-vous, il a fallu 4 personnes pour l'amener là-bas. Maintenant, Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Dans ta maison. Verset 12. Et à l'instant, dis à ton voisin là-bas, immédiatement. Dis-le très bien, non, immédiatement. Ne baisse pas la tête, hein. Quel que soit le défi qu'ils ont, regarde-le encore, écris immédiatement. C'est comme ça ton pardon va venir. C'est comme ça ton salut va venir ce soir. C'est comme ça ta guérison va venir ce soir. Oh, immédiatement. Il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Il n'a pas fui pas derrière. Il est sorti. Ah, regardez-moi. Je peux marcher. Je peux voir. Je peux me courber. Je peux m'étendre. Je peux entendre. Aujourd'hui, tu viens devant les gens et tu vas montrer ce que Christ est puissant, capable de faire, capable de guérir, puissant de guérir, puissant pour délivrer, puissant pour affranchir. Il marcha devant eux tous, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ce que tu n'as jamais vu dans ta vie personnelle, miracle, salut, délivrance, rédemption, que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie, ce soir, ça viendra pour toi. Deuxième élément, les puissantes œuvres du conquérant, notre guérisseur. Les puissantes œuvres du conquérant, notre guérisseur. Tout concernant Christ est puissant, pensez à cela. La conception. Sans que Marie ne connaisse Joseph intimement. La conception, miraculeusement puissante. La naissance de Jésus, miraculeuse et puissante. La préservation de la vie de Christ. Lorsque Hérode voulait le tuer et tous les enfants, il a échappé, miraculeuse et puissante. Ensuite, partout où il allait, quand il est allé à Capernaum, des choses puissantes, Nazareth, des choses puissantes, Jérusalem, des choses puissantes, Yola, pour toi là-bas, choses puissantes, en ligne, les choses puissantes, à la radio, les choses puissantes, à la télévision, les choses puissantes. Félicitations ce soir. Tu es face à face avec le puissant du vainqueur, notre guérisseur, au nom de Jésus. Luc chapitre 19, Luc 19, verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, comme nous sommes là ce soir, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix. Pourquoi? Pour tous les miracles puissants qu'ils avaient vus. Ils louaient Dieu. Ils ont dit, nous n'avons jamais rien vu, rien de pareil. Et aucun des prophètes de l'Ancien Testament n'a jamais rien fait quelque chose de pareil avant. Il ouvre les yeux des aveugles, il fait marcher les paralytiques et certaines parties du corps qui ne fonctionnaient plus ont poussé encore. Ces choses sont de retour au nom de Jésus. Nous louons Dieu pour tous les miracles puissants qu'ils avaient vus. Verset 38, il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur,
paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. La paix est venue du ciel dans ton âme, dans ton esprit. Quand nous avons le salut du Seigneur, les troubles dans notre esprit, les condamnations de notre esprit, la confusion dans notre esprit, la honte dans notre esprit. Pourquoi est-ce que je fais ceci? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à mener une bonne vie? Pourquoi est-ce que je ne mène pas une bonne vie, une vie positive? Pourquoi est-ce que je ne mène pas une vie juste? Tous ces domaines de tristesse et de regret, et il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, dit le Seigneur pour les méchants. Ô Christ, le prince de paix viendra dans ton cœur. Ensuite, toutes les confusions et tous les doutes, toutes les craintes de l'avenir, les craintes de l'enfer, les craintes de la souffrance éternelle. Christ viendra et il va ôter tout cela de ton cœur. Et il te donnera la paix dans le cœur pour t'amener dans la paix du ciel et la gloire dans les lieux très hauts. Matthieu 8, verset 16. Matthieu 8, verset 16, dit le soir. On amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tout. Combien a-t-il guéri? Comme tu es là ce soir, combien va-t-il guérir? Est-ce qu'il va t'atteindre? La guérison, ça va t'atteindre. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton mal, ta maladie et ton infirmité, quel que soit, il viendra vers toi ce soir au nom de Jésus. On dit, et il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Verset 17, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Lui-même s'est chargé, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Il regarde les maladies comme un fardeau qu'il va soulever, un fardeau qu'il va porter, un fardeau qu'il va soulever. Si tu as un fardeau qu'il ne peut pas porter et tu veux porter, déplacer le fardeau et jeter ça dans la mer pour que cela soit totalement oublié, mais tu essaies, la chose est là, mais tu n'arrives pas à soulever cela, tu appelles quelqu'un, tu dis s'il te plaît, quel que soit ce que ça va coûter, aide-moi à porter et je vais payer tout le prix que tu me diras. Et le monsieur dit, où est le fardeau? Il ne va pas porter toute la maison. Tu dois lui montrer là où se trouve le fardeau. Alors, cet homme pourra porter le fardeau. Tu ne verras plus ce fardeau-là. Et il ira le jeter dans la mer de l'oubli de Dieu. Et ça va s'enfoncer au fond pour ne plus jamais remonter, pour ne plus jamais revenir vers toi. Et tu dis, et le paiement, il dit ne t'en fais pas. Il a tout payé pour toi. Christ a payé le prix pour porter tes fardeaux de péché, de maladie, les fardeaux d'infirmité. Mais tu dois lui dire, où est le fardeau? C'est pourquoi tu dis, c'est pourquoi on dit, mets la main là où tu as le problème. Où est la maladie? Mets la main là où tu as la souffrance. Et quand tu mets ta main là-bas et tu lèves l'autre main, tu dis, je suis là, j'ai un fardeau de maladie, j'ai un fardeau d'infirmité, tu dois porter pour moi. Il viendra là et il va tout porter pour toi. Il a fait à d'autres personnes. Nous étions dans une croisade. Vous savez que nous organisons des croisades de lieu en lieu. Et c'est pour le temps de Yola ça. Et il a porté les maladies d'autres personnes. Maintenant à Yola, il va porter nos maladies. Il y a une sœur qu'on appelle Endurance. Elle était guérie d'hémorroïdes terribles qui l'a pratiquement tuée. Quand Christ est venu, il a porté, ôté ça. Il a fait pour elle, pour Endurance. Ton tour est venu maintenant.
écoutez endurance et voyez comment Dieu a porté son fardeau. Je m'appelle Endurance Ojigbo. J'avais deux problèmes dans ma vie. Premièrement, c'était hémorroïde et l'autre, c'était la perte de sang. Et quand JCK est venu en ligne, j'ai dit à mon mari, à travers JCK, je serai guéri. Et je suis allé à JCK. Quand l'homme de Dieu, le Bachar Koumoui, a dit, là où tu as le problème, lève une main et mets une main là où tu as ton problème. Alors j'ai fait comme il a dit. Immédiatement, après le dernier amen, j'ai senti quelque chose en moi. Quand je suis rentré, j'ai confirmé que l'hémorroïde est reparti dedans. Avant, je ne pouvais pas m'asseoir comme ça. Je ne pouvais pas rester l'ayant été à cause de la perte de sang. Mais à la gloire de Dieu, à travers JCK, j'ai été guéri. Voyez maintenant, voyez ce que Dieu a fait dans ma vie. Par le pasteur Koumoui, je remercie Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui l'a utilisé pour me donner ma libération. Amen. Et ce soir, tu auras ta libération. Il y a une autre sœur. Elle s'appelle Favor. Elle a été délivrée. Elle vous racontera son histoire elle-même. Sœur Favor, raconte-nous ton histoire. On m'appelle Deborah Mwomi. J'avais des douleurs au cœur. Depuis 21 ans, j'ai visité plusieurs hôpitaux. Le dernier hôpital où je suis allé, on m'a dit qu'il y a un trou dans mon cœur qui me dérangeait. Et ça m'a causé beaucoup de larmes. Je ne pouvais pas faire quelque chose de lourd, de travaux difficiles. Le cas de la femme qui avait le trou dans le cœur, c'est une maladie dans le cœur. Parfois, ça se manifeste. Ça peut conduire à la mort, en fait. Et ça rend la vie mal à l'aise. Mais, je priais et je croyais en Dieu qu'un jour, Dieu va me libérer. En décembre 2021, au cours de JCK, notre pasteur Koumoui, Dieu s'est souvenu de moi. Après la prière de l'homme de Dieu, je ne me suis plus rappelé de ça. Quand je me préparais pour la retraite de décembre, l'Esprit m'a dit, « Et ton problème de cœur là ?» Je n'ai plus rien senti. Maintenant là, ouais, je peux sauter. Je veux vraiment remercier Dieu qui m'a libéré. Gloire à Dieu ! Le Seigneur va te délivrer. Dieu n'est pas partial. Et sa force est toujours là. Et chaque fois que nous invoquons le nom de Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement, il va te délivrer. Amen. Troisième point maintenant. Les puissants prodiges du capitaine, notre libérateur. Les puissants prodiges du capitaine, de notre capitaine, notre libérateur, les prodiges dans ta vie ce soir, le prodige du salut, le prodige de la guérison, le prodige de la délivrance, c'est toi ce soir que le Seigneur miraculeusement va toucher. Tu ne seras plus jamais le même encore. Amen. Hébreux 2, verset 10. Hébreux 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Conduit beaucoup de fils à la gloire, comme tu t'offres ce soir. Et tu dis, oui Seigneur, je suis là, je suis un fils pour la gloire, je serai une fille pour la gloire. Il va te prendre, peu importe le passé, quelle que soit ton histoire, quel que soit ce que tu as laissé derrière,
quelle que soit la profondeur, quelle que soit la souillure, quel que soit le caractère honteux, il te sortira de cette honte et te conduira à la gloire. J'ai dit, il te conduira à la gloire. Il dit, pour conduire à la gloire par un petit nombre, beaucoup de fils, par des gens locaux là-bas, partout. Il veut conduire des multitudes à la gloire. Et le va à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La mort de Christ sur la croix du calvaire a réglé, a donné un coup mortel au diable. Il va ramasser ses colis de ta vie ce soir et partira. Verset 15. On dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Toute ta vie, tout ce à quoi tu étais assujetti, le Seigneur va briser les jougs ce soir. Il va détacher les chaînes ce soir. Il va ôter les cordes ce soir. Et une fois encore, tu diras, je suis libre. Est-ce que tu peux crier ça? Je suis libre. Dans ton âme, dis-le, tu seras libre. Dans tous les domaines de ta vie, la main peut-être est suspendue comme ça à cause de l'AVC. Tu n'es pas libre de soulever ça. Tu seras libéré pour soulever ça au nom de Jésus. Les pieds ne sont pas libres. Quand tu essaies de marcher, ils se cognent les pieds. Mais la liberté est venue pour tes pieds. Et tu n'arrivais pas à te lever. Tu n'arrivais pas. Ton poids vraiment, tu avais mal. Il va t'affranchir. Tu n'avais pas la joie. Quand tu veux ouvrir la bouche pour parler, tu pleures seulement. Oh, cette vie-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Est-ce que Dieu peut vraiment me pardonner? Je suis rejeté. Les gens me regardent et disent que je suis mauvais, que je suis sale. Mais ce soir, il va t'affranchir. Il va purifier ton cœur. Il va sauver ton âme. Il va changer ta vie. Si tu n'as jamais souri avant ce soir, le sourire du ciel viendra sur toi. Et le sourire, la joie viendront dans ta vie. La vie sera totalement différente à partir de ce soir au nom de Jésus. Je le veux. Je le veux. Colossiens chapitre 1, 13. Colossiens 1, 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On dit, ce lieu de condamnation-là n'est plus bon pour toi. Il te transporte et t'amène dans le royaume de son Fils d'amour. Cette fosse des ténèbres où il y a le doute, où il y a le désespoir, où il y a la dépression. Ce n'est pas bon que tu sois là-bas. Il te sortira de là-bas et il va te transporter dans le royaume de son Fils d'amour. Là où tu es emprisonné par la culpabilité, la condamnation, et tu es toujours triste, tu es toujours coupable, et tu es toujours perplexe. Le Seigneur dit que ce n'est pas bon que tu sois là-bas. Ce soir, il va te prendre de là-bas. Ce soir, il va te prendre de là-bas. Les ténèbres parties, condamnation ôtée. Et toutes les hontes de la vie passée, ce soir, parties. Et l'oppression du diable ce soir, parti! Il va te prendre, te sortir des ténèbres et t'amènera dans le royaume du Fils d'amour. Verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés par son sang. Il va effacer tous les péchés que tu as jamais commis. Il aura
plus de traces de péché sur la terre, plus de traces de ses péchés au ciel. Et ton nouveau nom, un nom propre, entrera dans le livre de vie au ciel. Est-ce que tu veux cela? Est-ce que tu veux être dans le royaume de son Fils d'amour? Est-ce que tu veux avoir la joie du salut? Est-ce que tu veux avoir la liberté qui vient avec le pardon? J'ai dit, est-ce que tu veux? Est-ce que tu désires? Est-ce que tu veux ça maintenant, maintenant? La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Il veut te pardonner maintenant. Il veut te sortir de la condamnation, de la culpabilité. Il veut te conduire dans le royaume de son Fils d'amour. N'importe où tu es, tu vas lever la main. Tu dis, Seigneur, je veux que tu pardonnes mes péchés. Je veux que tu me libères. Je veux que tu me transportes dans le royaume de ton Fils d'amour. Lève cette main alors. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Si tu lèves ta main, tu vas te mettre debout. Lève-toi pour dire, je veux le pardon. Je veux être transformé, sorti de ma culpabilité. Je veux sortir de ma condamnation et je veux venir dans la liberté et dans le pardon du Seigneur. Lève ta main en ligne, partout où vous êtes, sur les médias sociaux, n'importe où vous êtes. Lève ta main, partout où tu es maintenant. Le pardon est venu, le salut est venu, la liberté est venue. Lève cette main, si tu lèves ta main, mets-toi debout pour t'identifier, pour dire je suis l'homme, je suis la femme, je suis le garçon, je suis la fille, je suis la personne, je veux être transporté hors de la disgrâce et je veux venir dans le royaume afin que je sois transporté de mes culpabilités et je viendrai pour avoir le salut, le pardon, la rédemption du Seigneur. Lève-toi, partout où tu es. Nous prions ensemble maintenant pour que cette œuvre de grâce, le salut, soit effectuée dans ta vie. Lève la main, que Dieu te bénisse là-bas, et debout, partout où tu es. C'est le moment pour être transporté dans la gloire. Paix au nom puissant de Jésus. Nous te remercions pour ta parole. Parole de salut qui ne peut faillir. Parole de pardon qui ne peut faillir. Parole de rédemption qui ne peut faillir. Ceux-là ont indiqué qu'ils ont écouté ta parole. Et la parole a apporté la foi dans leur cœur. Seigneur, je prie, apporte le pardon à chacun au nom de Jésus. Ôte les culpabilités. Ôte les condamnations. Écris leur nom dans le livre de vie et que ton esprit rende témoignage à leur esprit, à leur cœur, que maintenant ils sont enfants de Dieu. Maintenant que leurs péchés sont pardonnés, maintenant qu'ils ont le salut du Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse, toujours debout. Nos conseillers sont là et ils vous donneront des fiches à remplir. Nous voulons avoir vos informations pour vous aider davantage pour vous, votre affermissement dans le royaume de Christ dans lequel vous êtes maintenant. Notre modérateur va nous aider dans ces sessions de conseil. Félicitations. Soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu. C'est la meilleure décision que vous avez jamais prise. Comme notre Père dans le ciel l'a dit, on vous donnera des fiches à remplir. Prenez-les pour que nous puissions vous aider davantage. Que tous nos conseillers s'occupe de tous ceux-là qui ont levé la main, partout où vous êtes,
Faisons-le rapidement. Vous êtes dans une église locale, dans une croisade en plein air. Occupez-vous rapidement de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur. Et vous qui avez levé la main, gardez votre main levée. Si vous avez donné votre vie au Seigneur après le message du pasteur, il y a un lien. Vous qui êtes en ligne sur les médias sociaux, cliquez dessus et remplissez le formulaire pour que nous puissions vous aider dans votre nouvelle marche avec Christ. Vous qui nous écoutez à la radio ou bien sur une chaîne de télévision et vous avez justement donné votre vie à Christ, vous pouvez nous envoyer vos noms et prénoms par les numéros de téléphone qui vous sont communiqués sur ces chaînes de radio et de télévision. Ou bien par ce numéro plus 234 91 54 44 92 63, je reprends, plus 234 91 54 44 92 63. Envoyez-nous vos informations, nos prénoms, numéro de téléphone. Il y aura une séance spéciale pour ceux qui donnent leur vie au Seigneur. On vous communiquera donc la date dans vos différents pays, dans vos régions, dans vos communes, là où vous avez justement donné votre vie au Seigneur, il y a une séance spéciale qui sera organisée pour vous. Et cela vous aidera à vous identifier avec une nouvelle famille en Christ. Notre Père dans le Seigneur reviendra prier pour nous. Comme il a dit, de grands miracles vont se produire ce soir. Pour nous qui sommes assis, soyons en train de prier pour nos miracles. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Parce que le Seigneur attend pour envoyer des miracles sur nous ce soir. J'ai dit des miracles sur nous ce soir. Soyez excités, soyez prêts, soyez en prière. Parce que depuis 4 jours, vous voyez des miracles augmentent chaque jour. Et ce soir, il y aura des miracles en grand nombre. Rassurons-nous. Et lorsque nous finissons, occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur. Vous qui avez amené des gens qui ont des problèmes, tenez à côté d'eux et encouragez-les au moment de la prière à suivre les consignes de l'homme de Dieu et nous dira ce qu'il faut faire. Obéissons au moment de la prière et le Seigneur va confirmer sa parole dans notre vie au nom de Jésus. Et de conseiller également, aider les gens. Vous n'avez resté à côté d'eux et aidez-les
comme la prière de miracle sera donnée, encouragez-les. Et comme nous savons, de grands miracles vont se produire dès que le dernier Amen sera donné. Dieu va confirmer sa parole. Et nous devons donc faire sortir les gens pour leur témoignage. Vous qui êtes assis, soyez en esprit de prière par rapport à ce que nous voulons, espérant la touche du Seigneur, comme il va nous visiter tout à l'heure. Sois en train de prier. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Préparons-nous pour nos miracles. Notre Père dans le Seigneur revient. Soyez prêts à recevoir. Gloire à Dieu! Je suis prêt à recevoir. Ça va venir. Ça vient pour toi au nom de Jésus. Une fois encore, tu vas lever la main. Et identifie-toi devant Dieu, indique à Dieu que tu as besoin de guérison, tu as besoin d'une délivrance. Il y a telle maladie, telle infirmité, telle maladie, que je veux que Dieu vienne instantanément et porter tout de ma vie et tout enlever. Et il va le faire. Alors lève une main et mets ta deuxième main là, sur la partie où tu as le problème. Une fois que nous mentionnons le nom de Jésus, et à la mention du nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Cette maladie va fléchir et quittera. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ta parole puissante, pour tes œuvres puissantes et pour tes prodiges puissants. Nous avons écouté ta parole. La foi naît en nous. Et nous savons que la foi ne faillit jamais. C'est pourquoi, Seigneur, nous amenons tous nos problèmes, tous nos défis, toutes nos maladies, toutes nos infirmités, toutes les oppressions, toutes les dépressions,
Nous amenons tout devant toi maintenant. Seigneur Jésus, notre guérisseur, notre libérateur, porte tout et emprunte-les au nom de Jésus. Douleur, sors. Souffrance, sors. Dépression, sors. Insanité, sors. Tuberculose, sors. Cancer, sors. Sois guéri. Ulcère, sois guéri. VIH/SIDA, sois guéri. Paralysie, sois guéri. Les yeux aveugles, soyez guéris. Surdité, mutisme, soyez guéris. Et tout enflement, gonflement de toutes parties, sortez au nom de Jésus. Seigneur, confirme les miracles, confirme la guérison, confirme les délivrances dans la vie de chacun maintenant. Ici, à Yola, là-bas, en ligne, dans chaque état, dans notre pays au Nigeria, dans tous les pays de l'Afrique, hors de l'Afrique, partout. Recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus. C'est fait! C'est fait! Merci Seigneur pour la confirmation. Au nom de Jésus, nous prions. Examine-toi, examine-toi. Ta guérison, ta délivrance, ton miracle est là.